arrivent de la gauche par la droite, exactement. Voilà nos deux pilotes qui arrivent maintenant, nos deux finalistes aujourd'hui. Ils sont là. Nicolas Ivanov avec l'avion orange et noir, on peut lui donner. Et Flo, champion du monde par équipe, s'il vous plaît, vexé hier, hein, je vous le redis, parce que ce sont deux vrais compétiteurs. Maintenant, vous allez bien regarder les deux programmes, et c'est vous qui ferez un maximum de bruit à la fin de chaque programme, et on verra lequel des deux vous avez choisi hier. Il n'y a même pas eu besoin de la machine, ça a été très clair, vous avez voté très clairement pour Nicolas Ivanov. On va attendre, ils sont en train de prendre leur marque, c'est la finale, ils regardent un petit peu comment ça se passe par rapport au plafond, par rapport au nuage, et ensuite on va démarrer, bien sûr, les programmes solo un par un. Le pilote Hamilton partait un petit peu tranquillement sur la gauche de mettre en station. Et c'est notre champion du monde par équipe qui va attaquer directement le premier. Il a dit, allez, c'est moi qui vais. Je suis chaud, je suis prêt, je vais les séduire. En tout cas, il vise le titre. C'est Flo qui va démarrer, donc vous l'avez là. Et c'est vous, hein. C'est vous qui jugez. Hein. Là, il n'y a pas de technique. C'est vous qui jugez, c'est vous qui vous laissez aller au feeling. Allez! Blanc-rouge, bien sûr, hein, c'est l'équipe de voltige de l'armée de l'air. Florent, bah c'est le grand espoir de la voltige, c'est plus qu'un espoir, il est déjà champion du monde par équipe.
Il vole depuis très longtemps. Avant d'entrer dans l'armée, il était déjà voltigeur civil. J'avais volé avec lui en compétition. Il avait 15 ans, donc il fallait qu'on l'emmène avec un accompagnateur. Il a construit des avions lui-même. C'est un pur et dur, un passionné. Et il a une passion au-delà de la voltige et le freestyle. C'est ce qu'il est en train de faire pour l'instant. Et à l'EVA, évidemment, il est complètement dans son élément. On peut lever les mains pour le dernier passage déjà avant d'avenir. Allez-y, 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 les couloirs. Il est sur la planche. C'est pas mal, hein. Hop, quelques tonneaux histoire de dire. Romain, tu nous coupes la musique. On se bloque là-bas au niveau du son.